Nous considérons que le problème en Tunisie est un problème d'employabilité et pas de chômage. L'employabilité, c'est-à-dire l'adéquation entre l'offre de l'entreprise, l'offre d'emploi et les demandes d'emploi. Le problème aujourd'hui, comment améliorer cette employabilité? Donc c'est là où on doit travailler la main dans la main entre le secteur privé et le secteur public de manière à améliorer cette employabilité. Il y a beaucoup d'axes de travail. Aujourd'hui, il y a à peu près plus de 70 000 postes d'emploi qu'on pourrait tout de suite prendre si on avait en face les compétences requises. Donc, il s'agit essentiellement de ce qu'on peut appeler les soft skills, tout ce qui est compétences de base, la maîtrise des langues, la capacité personnelle de se présenter, de décrire un document, de résumer un document, de bien réfléchir, etc. Tout ceci, il y a des choses qu'on peut rattraper, il y a des choses qui, malheureusement, ne peuvent pas se rattraper, sauf au niveau de l'enseignement de base.